aux femmes du Québec. Toute ma vie, je me suis battue pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et j'ai toujours pensé que si nous voulions garder cette égalité, il fallait être vigilante. En ce moment, le principe de l'égalité entre les sexes me semble compromis au nom de la liberté de religion. J'aimerais vous rappeler que les hommes ont de tout temps et encore de toujours utilisé la religion dans le but de dominer les femmes, de les mettre à leur place, c'est-à-dire en dessous d'eux. Devant la perspective d'un retour en arrière, je sens le besoin de prendre la parole. Merci Jeannette, merci Jeannette, merci Jeannette, merci Jeannette, merci Jeannette, merci Jeannette. Je suis donc d'accord qu'il y ait une charte des valeurs québécoises, souvent appelée à juste titre la charte de la laïcité, et que le gouvernement légifère. La laïcité! Tous ensemble pour la laïcité! Tous ensemble pour la laïcité! Nous serions encore sous la domination des hommes et du clergé si le gouvernement du temps n'avait pas légiféré. Et pourtant, sans ce droit de vote, où serions-nous aujourd'hui? Jeannette Bertrand, mesdames et messieurs! Merci, Jeannette! Merci aux Jeannettes, aux Jeannots! Solidarité! Solidarité! Les Jeannettes du monde entier! Solidarité! Avec les Jeannettes du monde entier. Solidarité avec les Jeannettes du monde entier. Solidarité avec les Jeannettes du monde entier. Solidarité avec les Jeannots du monde entier. Est-ce que je peux parler même si je suis un homme? Les Jeannots du monde entier! Les Jeannots avec les Jeannettes! Les Jeannots avec les Jeannettes pour la laïcité! Les Jeannots avec les Jeannettes pour la laïcité! Les Jeannots avec les Jeannettes! Pour la laïcité, les Jeannots avec les Jeannettes, pour la laïcité. Merci, Jamila. Alors d'abord, merci de la part du Rassemblement pour la laïcité d'être présent en aussi grand nombre. Aujourd'hui, les organisateurs de ce rassemblement désirent saluer aussi
tous les signataires de la pétition qu'il a initiée. Vous savez qu'on a recueilli près de 40 000 signatures. Bravo! Et merci également à Éric Debroise et André Delcambre qui ont lancé l'idée de cette marche. Et ici même aujourd'hui, on est combien? Des milliers! Je n'ai pas compté. Mais c'est fantastique. Et quelle marche ce sera? Malgré la pluie et les nuages. Parce que nous savons tous que les nuages de pluie ne sont rien comparés à ces nuages-là, beaucoup plus sombres et plus lourds que sont l'intégrisme, le dogmatisme. De Dieu et ce que soit la religion qui s'en réclame. Étant moi-même un boomer ex-hippie, peace and love, je m'étonne d'avoir encore à prêcher pour la séparation de l'Église et de l'État, pour la liberté de parole, de conscience, pour l'égalité homme-femme, une égalité dont certains cultes religieux semblent trop loin et pour laquelle il faut continuer à débattre. Ici, en appui aux femmes, je suis contre la soumission des femmes aux lois religieuses de quel que soit le culte. C'est personnel, il me semble que j'ai passé mon enfance et mon adolescence à dire « Maman, prends la parole, laisse-toi pas faire !» Alors marchons pacifiquement en harmonie. On n'a qu'à suivre les banderoles du Rassemblement pour la laïcité et du collectif des Jeannettes en montrant nos pancartes respectueuses. Elles sont super belles! Laïcité égale harmonie! Laïcité égale égalité! Laïcité égale amour! Et diversité! Absolument! Et solidarité! J'ai un bon souffleur ici. En cas de problème, adressez-vous aux personnes du service d'ordre qui portent un dossard, un brassard. On se retrouve au Parc La Fontaine où des personnalités comme Jamie Lai s'y présentent. Bonjour. Martine Desjardins, Agli Odia, Chantal Renaud prendront la parole pour de courtes allocutions. Karim du groupe Syncope va couronner le tout avec une chanson. Et parlant de chansons, j'en ai une qui est très facile à chanter et qui est joyeuse. Mais là, je vais demander à quelqu'un de tenir mon micro parce que j'ai ma guitare. Là, parce que ma guitare a l'air désaccordée, je sais pas. Mais c'est bien simple, on peut taper des mains. Et la chanson, c'est une parodie qui s'intitule Ne pleure pas, Jeannette. Nous nous libérerons. Ne pleure pas, Jeannette. Avec une bonbon, avec une bonbon. Ne pleure pas, Jeannette. Des jupes et des jupons. Non, ça va. Ah, là, c'est une bonne. Des jupes et des jupons. Des curés, des patrons. Des curés, des patrons. Mais allons, marchons, Jeannette. Ah, là, c'est une bonbon. Ah, là, c'est une bonbon. Allons, marchons, Jeannette. Nous nous libérerons. Nous nous libérerons. Allez, bonne marche. Il y a Julie qui va vous dire un petit mot.